Bonjour, salon CTCO avec les Speed Démos. Nous accueillons Pierre-Henri Houdol de Solo Group. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour, bonjour, ravi d'être Bienvenue. ici. Dans quel domaine œuvre Solo Group? Expliquez-moi un petit peu. Alors Solo Group, c'est une société qui existe depuis plus de 32 ans maintenant, qui est un stocker, hein, qui est basé au Havre. Hein, notre entrepôt est basé au Havre et notre bureau à Paris. Et on est stocker en vêtements d'image, en produits typiquement donc ce qu'on voit sur notre salon ici, c'est-à-dire tout ce qui correspond à l'image des entreprises, aux impressions textiles, voilà. D'accord, et vous, ça fait 10 ans que vous travaillez en tant que commercial? C'est ma 11e année. 11e année. Voilà. Et là, on va présenter donc cette parka, en fait, c'est ça, voilà. Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a, sorti ce modèle-là de la gamme Neo Blue. Alors pour faire très simple, Neo Blue, c'est une marque de Solo Group. Solo Group, c'est un carrefour de marques, c'est 5 marques bien distinctes. Vous avez Sols, qui est très connu, vous avez Neo Blue qu'on a ici. Vous avez ATF pour la partie Made in France, vous avez RTP pour ce qui est impression numérique et Joytype pour la fabrication spéciale. Donc là, on a ici une parka qui est essentiellement, qui est très technique. C'est vraiment un produit qu'on a voulu très technique et très épuré. Vous noterez qu'elle est noire, noire, noire et noire. Ouais, on, ouais. On a donc, la chose qui est vraiment très particulière sur ce produit-là, c'est qu'on est 100% recyclé. D'accord. On a un taffetas TPU sur l'extérieur qui est déperlant deux couches. Hein, c'est un produit vraiment très technique qui est utilisé essentiellement dans les vestes nautiques, notamment, ouais. Tout ce qui est combinaison également pour les sports nautiques. Donc, on a un produit qui est étanche. On a une capuche qui est doublée également, avec un rembourrage. Et vous avez également les coutures qui sont soudées au niveau de la capuche, des épaules et des manches. Donc, un produit vraiment étanche. Mais c'est une belle qualité. Hein, tout ça avec une matière recyclée. Ouais, c'est vraiment un beau produit qu'on ouais, a voulu sobre. L'intérieur, classe en plus, la partie taffetas à l'intérieur, c'est également 100% recyclé. Et la partie rembourrage à l'intérieur, c'est du polyester recyclé également. D'accord. Donc c'est vraiment un souhait d'avoir un produit qui répond à toutes les exigences en termes de RSE ou tout ce qui est produit éco, développement durable et compagnie. Quel type de personnalisation on peut faire là-dessus? Alors, on peut faire toutes les personnalisations possibles, hein, que ce soit de la broderie, du transfert, de la sérigraphie. On a une partie ici zippée avec un zip caché. Hein, les gens du métier reconnaîtront cette partie-là. Hein, et à partir de là, on a accès à tout le produit, que ce soit le cœur, le dos, la partie avant. On a également en personnalisation une partie en TPU ici, avec un V comme ça qu'on devine ici, pour pouvoir faire une sérigraphie ou une impression, hein, si on a envie d'y apposer sa marque. Alors, nouvelle technique aussi de fabrication, ce qu'on appelle nos labels, puisqu'on ne met plus maintenant les étiquettes des marques comme les nôtres. Hein, c'est vraiment du neutre et on a juste une puce de taille en décalé. D'accord. Dans le col. Hein, okay. L'étiquette, elle est à l'intérieur du produit et elle est tear-away, ce qu'on appelle tear-away, c'est qu'on peut l'enlever. Donc, on peut aussi personnaliser sur le côté, sur les manches, absolument, le dos. Absolument, et dans le dos. Alors, la particularité également, c'est qu'on a des cordons de serrage au niveau de la capuche avec des petits curseurs comme ça, très modernes. Également, sur le rabat ici, on a des aimants qui permettent d'avoir un côté très épuré sans bouton. Aimant en haut, aimant en bas et un zip, double zip, donc curseur en haut et en bas. Ouais, c'est classe, franchement. C'est vraiment un produit très très beau, super confortable, très léger. Et surtout, il y a aussi un autre truc sur lequel on a vraiment voulu être vigilant. Quand vous allez dans le commerce, que vous achetez une veste, tout de suite on est dans des montants pas possibles, hein, les marques du retail, et on est vraiment sur un produit à valeur perçue. C'est-à-dire que le coût réel de ce produit-là est nettement en dessous de la valeur perçue du client final. Et ça, c'est vraiment une volonté chez nous aussi d'avoir un produit qui en jette. Et en qualité de commande minimum, du coup, pour avoir ce… Aucune… Une pièce, c'est très bien. Ah ouais, d'accord, ok. 1000 pièces, c'est mieux. Mais une pièce, c'est très bien. On n'a pas du tout de minimum de commande. On livre en 24 à 48 heures pour toutes les commandes de moins de 19 colis. Et 48 heures, 72 heures pour des palettes. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver tous vos produits avec Solo Group? Alors, le site internet, il va bien? Tout est sur le site de sologroup-paris.com. Et ça, bon, plus spécialement sur le site de Neo Blue également, qui s'appelle neoblue.com. Mais ça, c'est aussi sur le site de Solo Group. Hein, c'est vraiment, vous retrouverez tous les produits. Parfait. Neo Blue, c'est aussi des vestes de travail. Neo Blue, c'est vraiment une gamme de produits un peu, c'est un pari fou d'avoir une gamme de produits un peu business chic pour une clientèle un peu qui nécessite des produits un peu plus élitistes, un peu mieux travaillés, des matières, des coupes. Hein, ça va être une clientèle de concession automobile, du personnel d'hôtelier, d'aéroport, des choses comme ça, où vraiment là, il y a un besoin plus… Parfait. Un peu plus pointu. Merci beaucoup Pierre-Henri d'avoir été en prie, c'était un bon plaisir. Merci encore.